Aujourd'hui, pleine nature, je suis au niveau de Solok San. Donc, San, c'est la montagne, Solok, c'est le nom de la montagne. Et c'est très mignon. Il y a beaucoup de monde pour l'instant, mais quand je vais aller me perdre un peu plus, ça va être vachement plus tranquille. Et en fait, il y a un temple là où je me suis arrêté. Et après, il y a une petite rando à faire qui doit être sympa normalement. Donc, on va aller voir ça. Déjà, je vais essayer de rejoindre le temple. Je ne sais pas du tout comment on y accède, voir à quoi ça ressemble. Et puis après, randonnée, randonnée, hein. Ça va être sympa. C'est cool, il y a de la neige partout en plus, donc. Bon, bah c'était sympa. J'ai fait rapidement. Ouais, j'ai mangé de la neige sur l'assiette là, je le sens. J'ai mangé rapidement là, je me suis arrêté sur un côté là, puis je commence l'ascension. Donc je vais vers. Ouah! J'ai mangé de la neige. Faut que je sorte de là avant que la caméra elle meure. Bref, je vais faire les Ulsanui Rock. Je sais pas, c'est des jolis cailloux. Je vous en parlerai un peu plus après, pour l'instant randonnée, et je vais essayer de sortir de cette zone où il y a trop d'arbres parce que j'ai mangé de la neige sur la tronche. Je le sens venir gros comme beaucoup. Et voilà, après 800 mètres d'altitude, enfin de montée environ, il me semble, me voici bien arrivé en haut des Loagi Rock. Oulou, je sais plus, j'ai oublié le nom. C'est pas grave, c'est joli, regardez. C'est parfait, hein? Voilà, moi je suis bien. Il y a quasiment pas de vent en plus, plein soleil, tout parfait. Mais bon, il va falloir que je pense à faire la descente parce qu'après je rentre en bus, il n'y a pas des bus jusqu'à tout le temps quoi. Il est déjà 14h, le temps de descendre, ouais, 16h. Ah, ça devrait le faire. Je ne devrais pas rentrer à pied, j'espère. Sinon, je vous balance une petite anecdote pour les rochers qui sont là. En gros, ces rochers-là, là, c'est joli, vous allez les voir bien après avec des jolis plans. En gros, la légende raconte, alors je parle pas coréen, du coup on va suivre à ce que Google Traduction disait, hein, parce que tout était en coréen, il n'y avait rien en anglais. Bref. En gros, c'était un géant, il était là, un géant de roche, il se baladait et il arrivait là et il a fait une sieste. Ouais, j'ai pas beaucoup plus de détails que ça, mais ça marchait mieux avec les images. J'ai pas pris en photo le truc, c'est dommage. Mais ça rend, on dirait vraiment un géant, regardez. Là, c'est un géant, c'est le dos du géant qui fait dodo. Ouais, bon. Je vous montre des jolies images, ça va être sympa. Thank you.
to come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. 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 What you say? Bon, bah, je suis pas mal redescendu. Je sais pas si on va bien voir, mais j'étais là-haut tout à l'heure. Donc là, je commence à redescendre. Enfin, j'ai commencé à redescendre déjà. Et je vais retourner vers le point central, là où il y avait beaucoup de monde tout à l'heure. Et c'est marrant, hein, mais la prochaine fois, je prends des crampons, la prochaine fois que je fais ça dans la neige. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de neige. Bon, j'aurais dû me douter parce qu'on avait absolument partout, rien qu'au point de départ, donc évidemment. Mais du coup, je vais déposer brevet sur une technique qui s'appelle le ski chaussure. C'est-à-dire que c'est comme faire du ski, mais sans le ski. Et ben en vrai, ça permet de pas trop se péter la gueule quand on a à peu près quand le sens de l'équilibre est à peu près au-dessus, ouais, normal. Si vraiment on n'a pas le sens de l'équilibre, mieux vaut pas tester. Mais quand on a le sens de l'équilibre, ça passe. Et petite démo, parce que je suis dans une descente, ça permet de pas se foirer la gueule parce que ça se suffit de se laisser glisser. Bon, c'était une petite descente, c'était pas un très bon exemple. Mais je peux vous dire que là-haut, tout à l'heure, il y a eu une grosse descente. J'ai pas eu la confiance de la filmer pour vous donner un ordre d'idée. Et bah, on tombe pas hein, quand on fait du ski chaussure, donc j'ai breveté l'idée. Vous me rappelez tout, je pense que comme c'est mon année, ouais, toujours, n'oublie pas. Dragon bleu cette année, c'est l'année de dragon bleu. Je dépose brevet sur ça et je finis milliardaire. Je pense, hein. Après, peut-être que je peux m'avancer. Je sais pas. Mais voilà. Bon. Bref. On va continuer d'avancer parce que c'est bien beau tout ça, mais ça. C'est loin encore. C'est 800 mètres d'altitude. Bon, je pense qu'on monte que 100, 700. Il me semble qu'on démarre 200. Mais bon. Ça fait, oui, ça fait 700 mètres à monter quand même. Mais. À marcher, c'est pas que 700 mètres. C'est environ. C'était quoi? 4 km? Ouais, donc ça fait 8 km aller-retour, à peu près. Bref, je continue.